Oh, salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est le grand retour, enfin ça fait plaisir sur le multijoueur d'Uncharted 4, même sur Uncharted 4 en général, voilà. Je vous l'avais promis depuis des lustres, mais c'est enfin fait. Enfin je vais reprendre les vidéos, voilà, sur Uncharted 4, mais surtout sur son multijoueur, ça fait plaisir, voilà, depuis le temps que je vous l'avais promis. Effectivement, bah, la dernière vidéo sur le multijoueur d'Uncharted 4, ça doit dater d'il y a plus d'un an, facile, ça c'est sûr, voilà, c'est sûr, suffit que vous regardiez de toute façon dans la playlist Uncharted 4 multijoueur sur la chaîne, et même du coup d'Uncharted 4 sur la chaîne, il n'y en avait pas eu depuis la fin du let's play sur The Lost Legacy, voilà, mais du coup, comme promis, je vais reprendre les vidéos sur le multijoueur, c'est l'été, on a le temps, c'est tranquille, voilà. Donc là c'est le moment. Alors je peux pas vous dire exactement combien il y aura de vidéos, quel sera le rythme en fait des vidéos sur Uncharted 4 multijoueur, mais j'essaierai au moins je pense d'en faire au moins une par mois, mais vraiment minimum. Donc voilà, je vais me mettre sérieusement à refaire des vidéos. Bah déjà en fait faut savoir que c'est vrai qu'à chaque fois que je faisais des vidéos sur le multijoueur d'Uncharted 4, elle fonctionnait quand même très bien hein. Et encore c'était à l'époque j'avais pas autant d'abonnés, mais c'est vrai qu'elle faisait souvent dans les 2000 vues. D'ailleurs j'étais à chaque fois assez impressionné. Pourquoi ça? Mais non, bah vous savez, de toute façon, Uncharted a une grosse place sur ma chaîne hein, depuis le début. C'est l'une de mes licences préférées de jeux vidéo. Donc voilà, on est de retour un peu à la maison, je dirais, sur ce Uncharted 4. Alors du coup, ça fait quand même longtemps que j'ai pas joué. Donc aujourd'hui, ne vous attendez pas pour ce retour à du gros gameplay, clairement pas. J'ai fait une petite game cet après-midi pour quand même me remettre en jambe, mais ça n'a pas été suffisant pour réapprendre, on va dire, les bases du multijoueur. Surtout que depuis, il y a quand même pas mal d'ajouts, de nouvelles armes, tout ça. Et bon, les mecs, eux, ils ont bien tryhard de l'autre côté. Donc moi, je suis vraiment à la ramasse, clairement. Mais on va quand même voir ce que ça donne, ce petit retour. Voilà, donc on va aller tranquillement, en MME, sans prise de tête. Et puis on va se faire quoi, 2-3 games tout simplement. Et puis voilà, pour marquer ce magnifique retour, vous pouvez voir je suis que niveau 7, donc ça montre bien que j'ai pas beaucoup joué. Même si bon, hein, ce système de niveau n'était pas arrivé au début du multijoueur. C'est surtout que voilà, moi j'avais beaucoup joué en fait quand il n'y avait pas ce système de niveau multijoueur. Puis après quand il a été mis en place, c'est là où j'avais un peu lâché. C'est pour ça que je suis que niveau 7, que c'est triste, voilà. Allez, c'est parti, l'accueil est trouvé, on va se lancer. Ouh, j'ai peur. Non mais rien que je vois, quand je vois leur logo, je sais même pas ce que ça signifie, ça me fait peur déjà, tu vois, donc il en faut peu pour me faire peur. Oh, on tombe sur Madagascar. Bah ça c'est bien, ça je connais bien, bah oui forcément c'est une map de la bêta, donc il y a encore plus moyen de bien la connaître. Du coup je pense qu'on va prendre la... peut-être la MP34, parce que c'est vraiment l'arme avec laquelle j'ai pu jouer sur le jeu. Je pense qu'on va partir sur du MP34 que je raconte, MP43 plutôt. Donc après, de toute façon, on verra hein, s'il faut changer ou pas, mais ouais, on va partir sur ça. Alors, qui en est du côté des méchants? Allez, on va prendre Rafe. Parce que j'adore son skin. Parce que ce skin est magnifique, donc voilà, on prend Rafe comme ça, direct. Moi, ce qui m'a toujours, par contre, un peu chagriné sur Uncharted, j'aime pas ça, tu vois. C'est pareil sur le 3 hein, que sur le 4, d'ailleurs. Il y a tellement d'éléments what the fuck en tueur. C'est vrai, il y en a énormément, mais les gens qui s'habillent de manière what the fuck, je trouve ça moche, mais horrible. Est-ce qu'il y en a, là, dans ce taquet, par exemple? Ouais, on a Altair par exemple, c'est complètement... Ça sort en fait complètement du contexte Uncharted, moi j'aime pas, hein. C'est moche. Moi je préfère les plus classiques, tu vois, directement venu du mode histoire, tranquille, sans prise de tête, voilà. Bon, bah c'est parti. Alors qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que je vais vraiment essayer à gérer? Honnêtement, non, je pense pas, mais je vais quand même essayer de faire le mieux que je peux, mais sans garantie, quoi, sans garantie. Là, on n'est pas sur Call of Duty, on n'est pas dans les trucs comme ça. On est sur Uncharted 4 et j'y ai pas joué depuis des mois. Honnêtement, j'avais quand même un niveau qui était... Ouais, ça allait vraiment, ça allait au tout début. Mais bon, là, maintenant, quand il n'y a pas joué depuis un an, je peux te dire que les gens à côté, ils ont pris du level à côté. Toi, bah du coup, t'en as pas pris, t'en as même perdu, du coup. T'es parti dans le sens inverse, quoi. Toi, tu vas dans la progression complètement inverse, donc je sais pas. On verra. Faire quelques kills, déjà, ce serait plutôt sympa. Ok, là on a déjà des ennemis, on les a un peu brain je pense en passant derrière. Genre le petit ennemi ici, voilà, hop là, premier kill. Et encore il est à terre. Il n'y en a pas d'autres, non c'est bon, mes alliés sont là. Bon lui il va mourir ou alors on... Non on va pas le... Non on va pas le faire décéder comme ça. Parce que sinon les autres ils vont me sniper. J'y vais même pas mon gars. Ah j'y vais même pas, on va passer par le marché. Oh bah il y en a un autre ici. Oh là c'est méga chaud là, qu'est-ce qui se passe? 2 kills déjà. Ok, j'arrive mon petit, on va te réanimer. Ah oui, c'est vrai, il faut maintenir pour réanimer. Voilà, petite assistance de réanimation, parfait. Oh, ils sont là, avec Charlie Cutter encore, toujours du Charlie Cutter.
Ce serait bien par contre d'aller prendre les munes, je serais bien pour... Ah! Ok, c'est bon. On va se mettre en cover, je sais pas où est le mec qui tirait là. Ouais, bah attention, de toute façon ça peut arriver par derrière. C'est vrai qu'aussi, attends, vous voyez, on avait en maintenant L1, on avait le grappin, on pouvait faire du one shot ça au corps à corps, je m'en souviens. Comment j'aurais pu oublier ça de toute façon? Oh, ici! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Non! Ah putain, il y en avait d'autres. Il devait pas avoir beaucoup de vie. Ça aussi, c'est un truc, je crois qu'il y avait pas avant. La santé de l'ennemi. Je crois qu'avant, on pouvait pas avoir la santé qu'a l'ennemi qui nous a tué. C'est bien. Même si parfois, ça peut être frustrant, je pense, quand tu vois que l'adversaire, il reste un de vie, tu dis, oh shit, merde, j'aurais tellement pu le tuer. Non. Pourtant, ça n'a pas été le cas. Je crois qu'on a la Marlowe, là, qu'on poursuivait. Mais c'est même pas Marlowe, je crois que c'est Elena, en fait. Mais ouais, mais avec leur skin bizarre, tu sais même pas, tu peux même pas savoir qui c'est comme perso, tu vois, c'est stressant. Oh, putain. Derrière la voiture, calmement. Je suis dans la merde. Oh putain, il va me rusher en plus avec la fureur de Jean, là. Du Jean, plutôt. Nice. Bon, là, je suis mort. Ouais. Dans Uncharted, quand ils se mettent à 2-3 sur toi, t'as peu de chance de survie, honnêtement. T'as peu de chance. Ok, bah, on a le colosse, par contre. On va l'appeler direct, on va l'invoquer direct. Allez, hop. Ça c'est bon. Pour l'instant je crois qu'on est quand même vachement bon hein. Enfin vachement bon. Attends, on va regarder rapidement le score. Oh, je suis premier de mon équipe. Hey, respect, respect, respect. Pourtant j'ai pas fait bah si j'ai fait la game d'échauffe là cet après-midi. Mais à part ça, rien, que dalle hein. Que dalle, que dalle. Hop là, on a les petits trésors pour avoir de l'argent facilement. Puis il y a un allié qui a mis un C4 le bâtard au truc comme ça, s'il y a un mec qui va. Boum! Ah bah en parlant de ces cas, je crois qu'il y en a un ici. Voilà, on va l'exposer comme ça. Aucun allié n'ira dedans. Ouais, on joue teamplay, nous on est bien, on est bien. On est généreux, on est généreux dans le gameplay, c'est ça avant tout. Alors, oh, ici. Mais ouais, du coup, non, c'est Marlowe ça ou c'est Elena? Je sais pas du tout. Mais ça peut pas être Marlowe, je suis con, vu que c'est nous les méchants. Ah, ça doit être Elena du coup. Ça peut même mettre Chloé d'ailleurs aussi. Bref. Bref, ces skins, c'est du n'importe quoi. Bon, là, par contre, je suis un peu trop loin. Mais j'en ai vu un autre là, je crois. Dans la maison, détruite. Ah ouais. Oh le bâtard RPG! Non, on se croirait sur Fortnite! Non, genre! Oh le bâtard! Bon, en vrai, oui, le RPG après, c'est pas une arme. C'est pas une arme comme ça à part entière, c'est une arme spéciale, mais quand même, putain ça fait chier, hein. Ça fait chier. Ce serait bien aussi du coup de tomber, je sais pas, dans la seconde game par exemple, dans une map que je connais pas, parce que je crois que depuis justement que j'ai pas joué, ils ont ajouté une nouvelle map. Je crois que d'ailleurs c'est des maps d'anciens Uncharted, genre du 2 ou du 3. Mais ouais, ça ce serait cool, ce serait vachement cool. Parce que bon voilà, Madagascar c'est bon, moi je connais, hein. Oh putain! Non, non, non. Hors de question. Il y a le Charlie Cutter au sniper là. Allez. Je vais me faire piquer mon kill, c'est sûr. C'était sûr. C'était sûr, je l'avais dit. Attends, en tout cas là, je suis plutôt étonné de ce que je fais. Pour l'instant, ça passe quand même nickel. Hein. J'aimerais tellement tuer un mec comme ça en one shot corps à corps. On va peut-être essayer, non? Faut juste rencontrer comme ça. Oh, j'ai raté, il a fait l'esquive, bien joué. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié par contre, c'était ultra facile à esquiver, ça suffit de faire rond et tu fais ta roulade, ça esquive le coup, quoi. Hein. C'était beau quand même de le one shot comme ça. C'était beau. Je me souviens, je m'amusais à faire ça sur la bêta. Mais voilà, c'était sur la bêta, c'était pas compliqué. Hein. Oh, quoique. Non, ils ont encore esquivé. Oh putain. Et ça en plus, c'est traître parce que si tu le rates, bah souvent t'es mort. Parce qu'après, le temps de remettre, le mec il a le temps de te tuer. Hein. Putain, je pensais là quand même, ils étaient vachement bien occupés sur mon colosse du coup, et j'aurais pu faire mon corps à corps, mais non, ça n'a pas bien fonctionné. Dommage. Dommage, dommage. Ok, il y en a là, j'ai vu. Il a dû monter, non? Passer par là. Oh, mais j'ai 2000$ là, et j'ai de quoi d'acheter un colosse. Tout simplement d'ailleurs. Oh bah tiens, ici. Eh hey, Charlie Cutter, qu'est-ce que tu fais? Eh hey, reviens là, toi. Putain, mais genre la ligne même pas vue quoi. Et je me tape une assiste. Oh non, mais sérieux, j'ai tout mis les dégâts. Et là les assistants, ça vaut pas comme des éliminations. Oh putain, il était où? Oh, il était là, il était sur le côté, le bâtard. Est-ce que vous pouvez me réanimer? Non, il venait me réanimer en plus, je pense. Regardez-le lui. Putain, on le voit tellement pas en plus. J'étais pas prêt.
Oh, on va prendre le petit bâton d'Ayarmaku, je sais pas quoi là, pour détecter les ennemis comme un drone. Je me rappelle quand même des B.A.B.A., tu vois, c'est déjà ça. Allez hop, on le place ici. Ok, alors les ennemis. Je sais plus par contre si ce truc avait une portée ou pas. Merde, je suis marqué par contre. Ça, je sais plus honnêtement. Il est derrière là, je crois. Hein. Ouais. La petite Elena. Oh, on va faire gaffe par contre. Ils ont le RPG encore. Oh, derrière! Hop, toi tu meurs. Oh. Eh, rien là. Allez hop. Merci. Il y en a un autre qui arrive, je crois. Par hasard, non? Si. Oh putain, il l'a mise. Oh, c'était chaud. On va le finir. Comme sur Fortnite, on l'a aussi. On le finit, on finit. Ok, on va prendre les munes du coup. Elle est serrée en tout cas cette game là, hein. 28-27, elle est bien serrée. Je pense qu'on fera deux games dans cette vidéo. Hein. Ouais, je pense qu'on part sur deux games du coup. C'est marrant, du coup, la seconde game sera sur une map que je connais pas. Voilà, et qu'est-ce que t'allais faire avec ta mine toi? Ça marche pas, ça marche pas. Oh putain, ça marche très bien, ça marche très bien, j'ai rien dit. Aïe aïe aïe. Heureusement que ça one-shot pas. Hein. Ça te met toujours bien dans le gris quand même. Donc je regarderai pas mon score, on verra ça à la fin, mais là quand même je dois faire un bon score je pense. Ah dommage, je pense que j'aurais pu le voler mais non. Pas de vol. Honnêtement après ils sont pas si forts en face, hein. C'est pas des PGM de la moitié comme j'en ai rencontré cet après-midi, ça va. Ça me rassure un peu du coup. Et encore vu que c'est serré, c'est pas non plus des PGM de la moitié avec moi, donc on doit tous être plutôt moyens, voilà. Ça doit bien s'équilibrer du coup. Et après je pense qu'on ira tester pour la seconde game justement les armes, parce qu'il y a des pactages par défaut avec les armes DLC que je possède pas encore du coup. On ira tester ça, genre j'ai vu qu'il y avait la M4, j'ai vu qu'il y avait d'autres, il y a la T95 aussi qu'on avait du coup dans The Lost Legacy. La M4 par contre on l'a pas du tout dans les solos, donc elle est exclusive au multi. Mais ouais du coup on ira tester ça parce qu'ils sont sympas, ils nous ont fait des petits pactages par défaut, donc c'est plutôt cool. Hop la petite clo. Oh elle me l'a volé. Putain Nadine t'es pas sérieuse hein. Elle me volait comme ça le kill. Il y a encore l'autre avec son RPG, c'est pas possible. Lui il sort de Fortnite, c'est obligé. Il sort de Fortnite avec son RPG, y'a pas moyen. Il fait que ça. Il fait que ça le fou. Oh le fou quoi. Regarde, il est toujours au bord de son bâtiment. Moi j'y vais même pas. Hein. Oi oi oi. T'as rêvé. Surtout que là c'est tellement serré, faut pas qu'on perde. Hein. Genre lui, faudrait le réanimer d'ailleurs. Putain, il a raté son truc de Shitamani là. Il a raté, il a mal mis, du coup ça a pas réanimé. Hop, ok. Hop, toi tu meurs. Il est mort ou pas? Ouais c'est bon, Ed il est mort. Ah il m'a marqué par contre. Ah, derrière. Putain oh, c'est serré, on a un seul kill d'avance quoi. Ça peut jouer très peu, hein. Surtout qu'à chaque fois qu'on anime, je vous rappelle, ça compte pas comme un kill. Là et tout l'aspect teamplay après justement. Genre là, hop, c'est bon. Bah du coup voilà, c'est bon. Et je termine deuxième de mon équipe. Oh je suis content, hein. Ils ont des logos étoiles, c'est-à-dire qu'ils sont bons ça, ou qu'ils ont beaucoup joué, je sais pas. Mais ouais. Yes! Et du coup, ça fait du combien? 13, 11 et 8 morts! Et bah, du coup, si on cumule à chaque fois, parce qu'il faut cumuler, ça fait du 24-8. Eh bah, je suis plutôt content. C'est une vachement une bonne game, surtout pour la reprise. Nice ça! Nice! Du coup, on va faire une seconde game. Alors, on espère avoir du coup une petite. Vous avez débloqué? Bah, j'ai déjà le complice sniper. Qu'est-ce qu'il me raconte de débloquer? Bah, non, je l'ai déjà. Je l'ai pas débloqué. Ouais, je vais peut-être passer niveau 8 d'ailleurs. Quand même. Oh yes, est-ce qu'on gagne une récompense quand on passe des niveaux? Oh, je gagne un coffre. Yes, cool. Ah bah là, peut-être qu'on va débloquer justement Asav. Peut-être qu'on va débloquer Asav ouais, dans la caisse. C'est possible, ça, c'est possible. Oh merde, ça va rechercher un autre accueil par contre. Moi, j'étais bien dans cet accueil. Bon, on ouvrira à la fin du coup la caisse parce que là, je peux pas. Je ne peux pas. Allez, on croise les doigts pour tomber dans un accueil plutôt similaire et du coup également pour comment dire, pour trouver sur une map que je ne connais pas. Voilà, le mec qui veut lui-même s'handicaper et tomber dans les maps qu'il connaît pas, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Au moins une map qui n'est pas une map de la bêta, parce que bon, les maps de la bêta, je vous avais quand même proposé déjà beaucoup de gameplay sur ces dernières. Genre sur la bêta, il y avait quoi? Il y avait toi. Est-ce qu'il y avait toi sur la bêta? Oui, je crois qu'il y avait toi. Hein. Il y avait toi, il y avait Île, il y avait Madagascar. Il n'y en avait pas une quatrième d'ailleurs.
Je me rappelle quand même des noms des maps, ça c'est cool, hein. Non, je sais pas s'il y avait une quatrième, peut-être, ouais, mais là ça me vient pas direct à l'esprit. Mais par exemple, si on tomberait dessus. Ah bah c'est Rivière. Non, Rivière, du coup, non, ça c'est pas une map de la bêta. Mais j'avais déjà fait une vidéo dessus, je me rappelle. C'était pour un méga news d'ailleurs, je crois. Voilà. Oula, par contre, c'est pas un groupe en face, hein, rassure-moi, hein. Ils ont tous des étoiles, hein. Ils me font peur. Ils me font peur directement déjà. Donc là, ouais, on va prendre les petits pactages par défaut. On va peut-être commencer déjà par la M4, je pense. Que là, regardez, on a pas mal de pactages. On a genre la M4, P90, PAK-80, INSAS, Type 95, Karigan, GX3. Il y a plein d'armes, je sais pas du tout ce que c'est. Ouais, on va tester ça. On va commencer par la M4. Et du coup, ouh, côté des gentils. Allez, on va prendre Nathan Drake, tout naturellement. Bon choix. Alors Rivière, moi j'aime bien cette map. Ouais, si j'aime bien cette map, il y a quand même moyen de bien brain par le middle avec le grappinours. Ouais, moyen de faire des bonnes choses. Bon, au moins je me rassure du fait que même si je fais une game de merde là, au moins on aura fait une bonne game dans la vidéo. En plus, ce fut la première. C'est cool. Parce que là, je les change chaud du bulbe, hein, ceux-là. Hein. Mais vraiment, j'ai peur. Surtout que là, ils sont dans le chat du jeu, ils communiquent. Attention, faut faire gaffe à la communication. Ça peut être néfaste pour l'adversaire. L'adversaire qui est moi, du coup. Ouais, c'est quoi ces skins? Oh, il a Asav par contre. Putain, c'est beau par contre débloquer Asav aujourd'hui. Genre, ça, ce serait beau ça. Il y a moyen parce que je pense que c'est comme les autres persos. Ça se débloque facilement dans Echo Fantasy. Hein. Faut pas ouvrir, je pense, beaucoup de caisses. J'en ai ouvert une cet après-midi justement de caisses. Bah, du coup, il n'y avait pas eu Asav forcément. Ça doit pas être si compliqué de l'avoir. Allez, du coup, la petite M4. Elle est stylée en tout cas. Hein. Après, on va voir du coup ce que ça donne niveau efficacité. Bon, ce qui va être un peu chiant avec ces pactages par défaut, c'est que du coup, bon. J'ai Oh la grenade. Oh bien joué ça la grenade. Venez me réanimer s'il vous plaît. Et buter à Asav aussi. Faites les deux. S'ils sont pas mauvais, normalement ils viendront me réanimer vu que c'est essentiel. Bon ils sont pas venus. Mais du coup qu'est-ce que je disais? Oui du coup on n'a pas les pactages, on n'a pas les atouts et tout qui vont qui sont les meilleurs. Bon, on fera avec les trucs par défaut hein. Mais moi je vais juste tester les armes, donc voilà. Bon, au moins on a commencé avec un petit kill déjà. C'est cool, même si on est mort direct après. Mais ça c'est pas grave, ça on va dire que c'était c'était dans le scénario, voilà, c'était prévu. Ok, je crois qu'il y a des ennemis là de ce côté, au niveau du moulin. C'est toujours bien de rester en équipe aussi sur Uncharted, parce que bon, clairement quand t'es en avantage numérique, tu vois la différence. Comme je l'ai dit, c'est toujours chaud de faire des 2v1. Hein. On va dire que sur à peu près n'importe quel jeu, multijoueur, shooter, bon, c'est pas compliqué d'aller 2v1. Sur Uncharted, par contre, je trouve quand même c'est bien chaud. Hein. C'est bien chaud parce que c'est des jeux quand même où t'as beaucoup de vie. Donc bon, quand ils se mettent à deux sur toi, ouais, c'est... Le temps de les tuer, tu seras déjà mort, quoi. C'est un peu ça. Bon, je trouve que la M4 a pas beaucoup de recul, ça c'est cool. Hein. En même temps, c'est la M4, fallait s'y attendre. Même si, bon, les armes sur Uncharted souvent ont pas mal de recul, donc c'est quand même bien. Genre lui, tu vois, il a plus beaucoup de vie, je crois. Oh non! Ça fait deux fois que je me fais tuer. Oh putain, il avait 18 de vie, tu vois, c'est ça qui est rageant. Surtout que je me fais deux fois tuer par une grenade. Putain, deuxième fois. Faut arrêter là. Hein. Grenade, on dit non. On dit non, non, non. Il y avait pas un mec là? Non, je sais pas, il est peut-être passé autre part. En tout cas, là, il y en a. Hein. Hop! Voilà la Marlow de la jungle là, ou je sais pas quoi. T'es peut-être dans ton élément, mais fais pas la folle. Alors la M4 a pas l'air d'avoir, c'est vrai, beaucoup de dégâts, mais par contre elle est vraiment précise, hein. Ça c'est cool. C'est bien cool, bien agréable. Lui il va brain par là, je pense. Non. Des grenades, attention. Il a même pas essayé de brain. Ah si, il est là, je crois. Je crois qu'il est passé là. Peut-être tenter un rush, je suis pas sûr qu'il est là, hein, mais... On va la jouer safe. Je vais juste prendre les munes par contre. Voilà, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, si, il est là. Je l'ai vu. Putain, ils nous font des emotes, genre ils nous trollent quoi. Eh, pépé, arrêtez de faire les fous. Hein. Bah tiens, toi tu meurs. Hop, toi tu meurs. Oh, on lui a mis des têtes là. Oh. Tiens, il y a la Marlow qui rush. Ça va me taper une assist, ouais. Je le savais. Grenade bonus. Oh, c'est quoi ça, grenade bonus, tiens. Ah oui, j'ai une grenade bonus, je crois. What the fuck? Genre, j'ai une grenade, là, attends. Ah oui, j'ai une grenade. Trop bien. Bon, bah, par contre, du coup, elle est un peu ratée.
Oh non, c'est un pistolet semi-auto. Je sais pas quel pistolet c'est, mais c'est un peu de la merde. Un peu de la merde. Aïe. Allez, vas-y, on va changer d'arme. On va prendre. Par contre, est-ce que je perds. Non, je perds pas mon argent normalement quand je change de classe. On va prendre la P90, tiens. Petite P90. Bon, elle, par contre, elle va avoir du recul, hein, c'est clair. C'est une trade, de toute façon, donc c'est normal. J'ai quoi là dans ce pactage? C'est quoi ça? Ah, ça, c'est un nouveau truc, ça. C'est pas celui qui me permet de me TP par hasard. C'est peut-être celui-ci, ouais. Je sais qu'il y a un des nouveaux trucs mystiques qui nous permet de nous TP. Il y a moyen que ce soit celui-ci, quoi. Non! Oh putain, j'ai failli tomber. Monte par là, s'il te plaît. Merde, non! Taïo! Oh, je me casse! Oh, je me casse! Vous m'avez pas vu. Fis ça, que je me casse. Non, 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 non. Les alliés, s'il vous plaît. Je suis un peu en PLS. Je sais pas si ça se voit, mais bon, voilà, quoi. Toujours rester en équipe. Ok, lui il est mort. Ouais, elle a l'air pas mal d'avoir, elle a l'air d'avoir pas mal de recul. Par contre, la cadence, mon gars. P90. T'as une cadence. Oh, dites-moi, c'est pas mal, hein. Bon, là, j'ai quand même pas mal d'assists, je trouve, dans cette game. C'est la game des assists. Oula, lui il s'est fait exploser. Bon, lui aussi il s'est fait exploser au final. C'est l'explosion partie. Ah merde, c'est pas une grenade, c'est un C4. C'est pour ça que ça allait pas loin. Je me disais aussi. Oh putain, il y a du monde. Oh non, il y a un lance-roquette. Il a raté. Tiens, chèque. Allez hop. C'est comme sur Fortnite, tu rates ta roquette. Bah t'es puni, mon gars. Voilà, et on fait la double en plus. Ah, elle est vachement cool, hein, cette petite P90. Au corps à corps, là, elle fait du mal. Hein. Elle fait très mal, même. Vas-y, on va aller avec lui. Hop. Ah, c'est kiffant en tout cas de rejouer au multijoueur d'une Uncharted 4. Ah, dommage, je voulais faire un knockout par au-dessus, mais elle est partie au dernier moment. Dommage, dommage, dommage. Allez, on va encore changer de pactage. Hop, on va prendre la type 95. Tiens, allez. La petite type 95, si elle est aussi puissante qu'en solo. On a moyen de bien se faire plaisir, je pense. Ok, on a du mec là, du coup. Je rush comme un fou, c'est pas une bonne idée, mais bon. Ok. Non, pas ok en fait. Aïe! Putain, l'explosif. Putain, mais ils font de la corde à sauter, mais y'a plus de respect. C'est quoi ce bordel? Mais what the fuck? Ça fait de la corde à sauter au calme, hein. Ah, on perd là pour l'instant en plus, hein. Pourtant, je trouve qu'on se débrouille bien. En même temps, c'est serré, donc c'est vrai que ça veut pas dire grand chose à ce stade-là. Hop, on t'achève. Oh, la trip peut-être. Vas-y, la grenade fait de l'effet là. Ça spawn derrière. Ah non. La petite assist, hein, très bien. Il doit y en avoir là, je pense, qu'ils vont arriver aussi. Oula, j'entends un étrangleur. C'est un allié. C'est pas un allié, non. C'est pas un allié, je m'en vais. Je veux pas me faire étrangler. Ah, ok. Oh non, mais il me rush en plus, ce fou. Non, 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 non. Tiens, dégage. Allez, hop. On rentre à la maison, hein. Basta la vista. Allez, hop. Hein. On va rusher un peu. Hop, le sniper c'est mort. Ah putain, dommage. Dommage, dommage, dommage. Par contre, il fait du mal mon colosse, je crois. Hein. Il fait du mal mon colosse. En même temps, il est tellement bien placé là. Il peut me réanimer mon colosse, je sais plus. Non, je crois pas, non. Je crois pas. Alors, on va encore changer d'arme, oui je sais, on fait que ça, changer d'arme. La GX, tiens, je sais pas ce que c'est ça, ça m'interpelle. On dirait une G36 un peu, on dirait. On dirait, hein, après, je ne sais pas. On dirait un peu une G36, hein. Un chouïa. On a quoi là du coup? Ah bah on a un étrangleur. Ah, c'est une arme rafale, ok. C'est le contraire à type 95, tu sais, type 95, normalement elle est rafale là, elle y est pas. Voilà, si c'est une espèce de G36, c'est la rafale. Normalement, elle y est pas, du coup. C'est bizarre, tout ça. Enfin, par contre, merde.
pouvez venir me réanimer s'il vous plaît? Oh, il vient lui. Lui, il est mignon lui, merci. J'espère juste que tu vas pas mourir. Non, c'est bon. Cool. Le petit C4 qu'il a lancé. Hop. Du coup, vu que ça rafale, c'est peut-être pas super dans cette map. Hein. Je suis pas convaincu en tout cas. Ouh, par contre, là, j'ai mis une grosse tête, mon gars. Ouh, elle fait mal, hein. Ouh, elle fait mal. Non, elle est montée. Putain. Ouais, non. Non, ça marche pas, ça. Ça marche pas, bah non. Allez, Karrigan, on va tester ça aussi. Ça, on dirait plus une M-tar, je dirais. En termes de design, de forme, de l'arme. Est-ce qu'elle est automatique, déjà? Elle est automatique. Ouais, on dirait vraiment une M-tar, hein. Oh, c'est peut-être un équivalent de la M-tar. Hop, ouais, il y a des munes à foison ici. Par contre, ils ont le bâton, donc là, je suis grillé. Normalement, ils savent que je suis là. Hop, on le détruit, au moins, c'est bon. Ouais, sauf qu'ils veulent du mal. Non, 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 toi. Vas-y, je me casse par là. Hop. Allez, hop. Comme ça, tu viens pas m'étrangler, toi. Salaud. Le dernier des salauds. Oh non, putain, on avait de l'avance. Ils sont en train de nous rattraper. Vite. Voilà, toi, tu dégages. On va mettre la petite grenade ici. Oh, il se l'est pris, lui, je pense, non? Non! Ah, ça joue explosif, on va perdre! 35-38, c'est serré là! Faut vraiment rester en team, je sais pas, faut faire quelque chose. Aïe 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 aïe! 35-38, c'est faisable, hein, mais ça va être chaud. Vite, faut que je spawn! Je veux pas rester inactif pendant la défaite, quoi. Toi, déjà, tu dégages. Toi, on va faire en sorte que tu dégages aussi. Ah, dommage, putain. Au moins, j'aurais pu avoir un kill supplémentaire. Je suis ni comme deuxième de mon équipe. C'est plutôt glorieux, on va dire. Ça va. Ça va, ça va. Et on fait... Oh, bah, pas mal, encore une fois. 28. Un peu moins bien que la partie d'avant, mais... Honnêtement, pour un retour, c'est comme vachement potable. Bon, bah, du coup, on va terminer par une petite ouverture de colis. Normalement, je vais pouvoir ouvrir deux caisses, je pense, du coup. Deux coffres. Vu que là, ils vont me donner assez de... De reliques pour, ouais, c'est bon, match terminé, ça en donne 15, donc du coup, c'est 150, je crois, un coffre, donc c'est bon. Alors, on quitte. Oui, hop. Et on va, du coup, dans la boutique, ouvrir les petites caisses. Alors, déjà, il y a une caisse ici. Est-ce qu'on pourrait débloquer Asav? Ce serait super cool, comme ça, prochaine vidéo, on fait du gameplay avec Asav. Elena Ecos. Oh, ça, c'est cool, elle est stylée, Elena Ecos. Et Sam Poser, ouais, ça, c'est un peu cool. Bon, cool. Oh, par contre, Elena Ecos, c'est super cool, ça. Yes. Je crois que c'est l'un des meilleurs skins de d'Elena. Ça, c'est cool. Et on va du coup se prendre une petite autre caisse fantasy. Allez, un petit Asav ou un autre skin cool, je sais pas. Comme pour Elena. Eddie Extreme, non. Et Nadine Noli, non. Bon, les deux, en fait, c'est un peu des skins hiver. Bon, bof, 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 bof. Ok, bon, par contre, moi, je vais m'équiper direct de Elena, du coup. J'ai beaucoup de skins d'Elena, d'ailleurs, hein. Du coup, Elena, ta-ta-ta-ta-ta, Écosse, elle est là, Écosse. Attends, on va rapidement regarder les skins, mais je crois que c'est vraiment la plus belle, hein. Enfin, la plus stylée. Parce qu'on a celui-là, voilà. Bah, de ce que j'ai, c'est la plus stylée, ça c'est sûr. Après, les autres, non, rivière, c'est nul, prison, c'est nul. Et après, bon, après, c'est les skins what the fuck, donc ceux-là, de toute façon, c'est pas à mon goût. Ouais, regardez, ça, tu vois, c'est les exemples des skins what the fuck. Bon, celui-là, non, il est pas what the fuck encore, tu vois, mais ça, ça va pas. On est dans une chartine ou quoi? Et non, ok, putain. Et après, ouais, après, on a les skins squelettes là, putain. Ça, c'est en mode survie. Je pense d'ailleurs la prochaine vidéo sera en mode survie parce que ça, j'en ai pas encore fait. Donc, ce sera une découverte du mode survie alors qu'il est sorti il y a des années et des années. Enfin, des années, j'exagère, mais voilà. Donc, ça, je pense que ce sera peut-être la prochaine vidéo. Le mode survie. Je me spoilerai pas. C'est-à-dire que j'attendrai de faire une découverte avec vous. Donc, ce sera sûrement la prochaine vidéo sur ce Uncharted 4 multijoueur. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si ça a été le cas, bien entendu, surtout pour ce grand retour. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me fera extrêmement plaisir, sa petite récompense. Et on se retrouve du coup très très vite pour d'autres vidéos sur Uncharted 4 ou sur d'autres jeux. Allez, bye tout le monde! Oh yeah!